Ah, donc nous allons boire. Alors, je me rappelle d'une petite histoire. C'était l'histoire d'une personne qui disait avec 1% de chance, vous pouvez manger de la viande de loup, de grizzly, tout ça. Vous avez quasiment aucune chance hein, de d'être malade et de développer des parasites intestinaux. Et cette personne avait plus ou moins expliqué que vous avez plus de chances de vous faire renverser quand vous sortez de chez vous, honnêtement. Hein. C'était ça, hein. C'était vraiment ça l'explication. Donc cette personne s'est fait renverser, et bon, elle est plus là, voilà. Donc bon, ça c'est petite histoire à part. Voilà, donc maintenant nous sommes donc infectés. Nous avons mangé de la viande de carnivore, hein, de la viande d'ours, de loup, enfin de loup plus précisément même. Vous avez mangé du gibier infecté qui vous a donné des parasites intestinaux. C'est bon ça. Pour vous remettre, il vous faudra plusieurs traitements par jour. Vous continuerez à vous affaiblir jusqu'au terme du traitement. Une dose par jour maximum. Donc c'est ou deux pilules. On en a de ça? Je crois qu'on on en a pas mal. On en a pas mal, donc on n'a pas de problème. Ok, on en a pas mal. On en a pas mal sûrement autre part. Sûrement autre part. Et sinon, c'est un thé. Donc, c'est le jaune, c'est le reishi. Reishi, ce sont les champignons, si je ne m'abuse. Ouais, ce sont les champignons. Donc, nous sommes fatigués. Donc, nous sommes fatigués à cause de ça. Je crois, et notre vie va baisser petit à petit et tout ça. Enfin, c'est rien de très spécial, c'est pas grave. Dans tous les cas, je ne vois strictement rien. Alors, j'avais dit que la dernière fois, on allait pêcher. Au final, on n'a pas pêché du tout. Donc, on va aller voir si on peut pêcher, parce qu'on a du matériel pour pêcher. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça. Parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Et oui, il y a quand même une bonne nouvelle. Il faut rester positif. C'est que... C'est quand même difficile de trouver une bonne nouvelle. C'est que vous allez pouvoir manger de la viande de loup ou même d'ours à volonté. Eh oui, on a un buffet à volonté, complètement. Parce que maintenant, on ne peut plus tomber, on peut plus tomber malade parce qu'on est déjà malade. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. T'es bien? J'entends pas beaucoup de personnes qui crient c'est bien, mais bon. C'est quand même bien. Ouais, tout ça. Tout ça. Ben, on va pouvoir le manger. Et ça aussi. C'est vrai que je... Oh là là. J'ai tout ça à faire. J'avais complètement oublié. Parce qu'on avait quasiment plus de gibier, en fait. On avait quasiment plus de gibier. Waouh. Ok. Donc, dans un sens... Eh ben, ça tombe très bien. Moi, je dirais, ça tombe très bien. Hein? Je sais pas vous, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'était extrêmement bien calculé. Voilà, moi c'est ce que je dis et c'est ce que je retiens. C'est que c'était extrêmement bien calculé. Voilà. Donc j'ai préparé ce speech pendant à peu près 1 heure et demie, hein, parce que je me suis dit je vais pas commencer en disant merde, j'ai dit une connerie et tout ça. Donc je me suis dit tiens, on va faire un speech pour devenir président. Et je pense que ce speech était pas mal. Je pense qu'on a bien joué. On a toujours notre arme, elle est... Oh mince, j'ai oublié de enlever les balles. Enfin, les 3 balles qui sont dans notre sac. Donc j'ai envie de tester un peu. Il fait pas. Il fait moins 9. Fait moins 9 degrés. On va voir combien il va faire si on est à l'intérieur. Je suis assez curieux. Je suis assez curieux. Parce que je voudrais quand même pêcher. Hein. Je voudrais voir si on peut pêcher. Je vais voir. Ouais, ok, vas-y. Mets-toi. Ok, on est protégé du vent. Toujours moins 9. D'accord, donc ouais, facteur de vent 0, et si on sort, je crois qu'il y a facteur de vent 0. Parce qu'il n'y a pas de vent, en fait. Ouais, faut genre moins 4. Ça change pas grand-chose. Parce qu'il n'y a quasiment pas de vent, en fait, il fait juste froid. Il fait juste froid. Donc qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je dirais qu'on va visiter. On va se balader, ok? On va se balader, tout simplement. Donc, ah, j'ai pas regardé si on avait du bois la dernière fois. Parce que la dernière fois, j'ai un peu oublié ce qu'on avait fait. Honnêtement. Donc, bon. Voilà, quoi. Oui? Oui? Oui, le hibou. Oui. Alors, dans mes souvenirs lointains... Je pense qu'il y a un ours quelque part ici. En théorie, je crois qu'il y a toujours un ours, voire un... C'est quoi, c'est un caribou quelque part sur chaque zone. Donc honnêtement, j'ai bien envie de chercher cet animal. Enfin, ces animaux même. Pour les... Bah, pour les chasser, les manger, se goinfrer dans la viande et après les dépecer et on dirait une grotte là-bas et tout simplement être couvert de leur peau. Voilà. Tout simplement. C'est très très poétique ce que j'aime là. Donc j'ai envie de me balader et aussi on va se balader pourquoi? Parce que ça va marcher dans les deux sens. C'est que, bon déjà on peut pas aller là, apparemment je fais une erreur, j'ai fait une erreur de stratégie. On va aussi essayer de trouver le plus possible des... oh merde, excusez-moi. Comment ça s'appelle? Reishi. Les champignons là qui poussent sur les écorces. Eh oui, parce que ça, il va en falloir un peu pas mal quand même. Donc, faut faire un peu attention. Donc, je voudrais bien en récupérer beaucoup. Il va en falloir 10 au moins. 10. Je crois qu'on en a dizaines. Ouais, je crois qu'on est bon. Je crois pas que ce soit très très grave ce qui se passe. Est-ce que ça va vraiment nous amputer pour ce qu'on voulait faire? Alors, honnêtement, oui. Mais c'est pas vraiment dans le mauvais sens, c'est que ça va prendre du temps, c'est que si vous êtes malade, la meilleure des choses c'est de pas sortir de la zone, enfin de pas aller explorer quoi, si vous êtes malade, vous voyez, vous restez, en gros le conseil que je pourrais donner c'est rester dans la zone, à moins que vous sachiez exactement ce que vous faites, mais restez dans la zone, essayez de trouver des remèdes et tout ça, et attendre que ça passe, tout simplement. Tout simplement attendre que ça passe. Par contre, il fait pas jour, ça qui m'embête. Donc elle va se réveiller. Enfin, non, on va rien voir, c'est ça que je veux dire. Elle va se réveiller. Ouais, est-ce qu'on peut perdre un peu de temps ici? Ah, mince. Est-ce qu'on peut perdre un peu de temps? Est-ce qu'on a à manger sur nous? Je suis un peu parti à la bourre. Enfin, un peu à l'arraché, on va dire, honnêtement. Dans le jargon, c'est partir comme un con. C'est un peu... Ouais, c'est pas très malin, honnêtement. C'est un peu partir comme un con. Et ça, j'aurais pas dû. Ok, très bien. God, my stomach feels like an empty pit. Tout va bien. Alors, ce qu'on pourrait faire quand même, niveau visite, parce que le truc, c'est que j'ai pas envie que ça tourne en rond. La dernière fois, on a quand même pas mal tourné en rond sans faire grand-chose. On n'a pas pêché, rien. Je sais combien, là. Il est toujours moins 9, moins 13. J'aurais pensé que ça s'arrangerait avec le lever du soleil. On verra, on va voir dans quelques heures. Si, on pêchera s'il fait bon, on pêche. Sinon, on fait autre chose. Mais on pourrait se balader un peu. On va dire qu'on a quand même pas mal de ressources et tout ça. On va peut-être pouvoir se balader. Tout en cherchant des remèdes. Pas grand chose.
Après, est-ce que sur la carte, j'avais vu... On va aller dans les maisons et on va regarder la carte vite. Parce que c'est vrai que j'ai quand même noté pas mal d'endroits. Et peut-être... Peut-être que j'ai noté sur la carte des endroits avec des champignons. Il y a aussi un endroit qu'on pourrait aller. Je suis quasiment sûr qu'on va en trouver. C'est sur le chemin de la cabane du trappeur. Si vous vous en rappelez. On va aller là. La cabane. Je vais le montrer sur la carte. On va regarder ça. Carte. Donc nous on est par là. Voilà. Toute cette zone là. Je dirais. J'adore le fait. Ah, vous imaginez même pas. Avant, il n'y avait même pas de cartes. Et j'éditais mes vidéos avec des cartes en fait que je trouvais sur internet et tout ça pour montrer aux gens où je pensais aller, où je voulais aller, le chemin qu'on avait fait. C'était vraiment la galère. Ça me prenait des heures à faire ça. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus simple hein, d'avoir la carte. Donc nous, on est... je crois qu'on est dans ces cabanes-là. Et donc, je pense là, honnêtement... dans ces endroits là, après il y a les expositions forestières, ça on l'a déjà visité, c'est bon. Je pense qu'on va pouvoir trouver pas mal de choses, pas mal de, champignons, petits bois et tout ça. Donc j'ai envie d'aller y faire un tour, je pense. Excusez-moi, pas par là. Donc je crois que là on fait le tour, vite fait, on a fait le tour du lac. Il n'y a plus de loups par contre. Je suis assez impressionné, j'avoue. Il n'y a plus de loups. Bah, enfin, à force de les tuer. Vous avez vu tout ce qu'on a tué quand même. Vous avez vu un peu tout ce qu'on a tué. Il était là. Attendez. On était où exactement? Peut-être que je les ai pas sur la carte en fait. Parce que j'ai vu les... Charbon. Ah ah, voilà, on les avait pas. Okay, très bien. On va juste rentrer 2 secondes. On va voir si on peut pas perdre un peu de temps, juste pour se réchauffer, genre 15 minutes, un truc comme ça. Ouais, non, j'avais... Ouais, on avait pas pris ça, on avait pas mis ça sur la carte. Tissu, yes. Ok, très bien. C'est parti. Ah! Elle va gueuler comme ça tout le temps maintenant. Ça va être bien. Pendant 10 jours. Pendant 10 jours, vous allez entendre ça. Oh, y a un putain de brouillard, la vache. Moins de 13, ouais. On va continuer. Ah oui, c'est vrai. Pas de glissade. Manquerait plus qu'on se pète les chevilles. Et les poignets. Hein? Étrangement. Et les poignets. So cold. Ok, très bien, très bien. Poup. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire... qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là, on se réchauffe. Ou on rentre directement à la maison. Je sais pas trop. Alors, on va peut-être dormir une heure. Ça nous permettra de voir aussi si le... si ça s'arrange le temps, 15 minutes. Quoique, non, on va peut-être pas dormir, on va juste faire ça. 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 Très bien. Et après, il va falloir. Pourquoi aussi je prends beaucoup de bois? Parce que on va devoir faire un feu. Et comme vous savez, on va devoir faire un feu qui dure longtemps. Blablabla. On va faire tout cuire. Vous avez vu, on a au moins. Une quinzaine de morceaux de gibier. C'est. Honnêtement, ça va pas être fun. Après, dites-moi, je sais que là, sur ma dernière saison, j'avais. J'ai cru que je pense que j'en ai parlé déjà. Des pagayes, on peut détruire le pagayes.
Il y a des moments où je coupais, où j'accélérais. C'est possible que je fasse la même chose, là. Parce que... Genre, cuire de la viande, c'est bien beau, mais... Enfin, vous le faites une ou deux fois. Si vous avez des choses à dire... Oh la maman. Ah putain. Encore vrai qu'on sait où on va. Parce que là... Parce que regarder ça pendant une heure, c'est peut-être pas vraiment très très intéressant. Surtout qu'il se produit rien, quoi. Je fais seulement des va-et-vient dans la maison, genre sortir, récupérer de la viande. La mettre sur le feu, attendre, etc. etc. Donc ça, je le passerai, je pense. Ça, je le passerai complètement. Donc, par là, ouais. Vous voyez la barre, la petite barre rouge. Ça veut dire qu'on va pas pouvoir se reposer au maximum. Et je crois qu'elle va s'affaiblir. Je sais plus exactement. Honnêtement, dans un sens, c'est bien d'être malade. On va dire ça, ceux qui ont des maladies graves. Je crois que c'est pas mal parce que du coup on va revoir, enfin pour moi surtout personnellement, je vais revoir comment ça fonctionne. Je pense que chaque jour elle va s'affaiblir si on ne boit pas. Si on ne boit pas, je crois. Si on ne boit pas notre dose de médicaments. Mais si on boit tout le temps notre dose de médicaments, ça devrait passer, elle devrait pas s'affaiblir plus que ça. Alors, attendez, c'est par là. Là j'ai un doute maintenant. J'ai un... Non, si, c'est là. Normalement, on devrait trouver un cadavre. C'est où c'est qu'on avait trouvé le fusil. Après, il y a aussi un... Ah bah voilà, quand on parle de John. Je sais pas si j'en avais parlé la dernière fois. Mais il y a eu une mise à jour par rapport au revolver. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais je le répète juste au cas où. Il y a eu une mise à jour pour le revolver... Car apparemment il était extrêmement rare et j'ai peur que notre survie soit plus ou moins merdée et que le revolver on ne trouve pas. J'ai peur de ça. Ou que ça soit extrêmement extrêmement rare et qu'on passe complètement à côté quoi. Parce que c'est un peu pour ça que je voulais faire cette survie personnalisée. On verra ça, on verra ça. Attends. Allez, on y va, on rentre. Ok. Et vu qu'il fait jour, on va pouvoir regarder un peu ce qu'on a à la maison. Ah ah. Alors. Pam, 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 pam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a 8. Et on n'a pas de pile. Ça, j'étais persuadé d'en avoir. Donc avec ça, 9. On a que des analgésiques, on n'a pas les autres en fait, on n'a pas d'antibiotiques. Ah, j'étais sûr d'en avoir. Tiens, c'est marrant ça. D'accord. Donc là, en théorie, on meurt. Ah, c'est marrant ça, tiens. C'est drôle. C'est comique. On va ranger tout ça. C'est très bien. Après oui on met rien là-dedans. Ouais non, on met rien. On a les balles à jeter. Enfin à jeter, à poser plutôt. Ah, j'avais vu dans un commentaire une personne qui me parlait de la façon. Je sais qu'ils ont rajouté ça depuis le menu radial. Et vous pouvez poser, genre placer directement. Genre, voilà, on peut faire ça. Ça met directement une bouteille d'eau de 1 litre. Normalement, ouais, c'est 1 litre. Putain, elles sont devenues super épaisses, les bouteilles d'eau. Mais j'ai toujours jeté, en fait, les objets. Parce qu'avant, ça n'existait pas, ça. Le fait de faire clic droit sur le menu, le petit menu. Et de prendre les objets comme ça, ça n'existait pas, en fait. Ils l'ont rajouté, je crois, si je dis pas de conneries. Ouh, on avait tout ça comme bois. Ils l'ont rajouté quand ils ont rajouté la façon de faire à manger manuellement.
car ça n'existait pas. Parce qu'avant aussi c'était tout automatique et tout ça, c'était pas, on ne pouvait pas attendre avec genre des faitous et tout ça. Et je crois qu'ils ont rajouté aussi voilà, le fait de pouvoir poser des objets. Alors ça permet de faire pas mal de choses, c'est vrai. Je crois que... Bon non, ça c'est un porte-manteau. Mais si on avait un... Genre des attaches au mur pour le fusil à... Pour le fusil, j'allais dire le fusil à pompe. Non, non, ça va pas un fusil à pompe. Je crois qu'on pourrait mettre le fusil au mur. Si je dis pas de conneries. On peut faire ça maintenant, c'est vrai, avec ce nouveau système. Mais voilà, j'ai l'habitude de jeter les objets par terre. Quand on déplace... Enfin, on place plutôt énormément d'objets. Ça va quand même beaucoup plus vite de faire ça. De juste déposer tout par terre et après ranger. Mais en tout cas, oui, merci de, c'est vrai, d'en parler. Parce que c'est vrai que ce système, je l'utilise pas vraiment. Ah oui, on va pouvoir aussi, je crois... La dernière fois, on avait fait ça, peau de lapin. Et j'avais dit qu'on allait faire le... Alors, si je dis pas de conneries, j'espère que j'en dis pas. J'avais dit, on va faire ça, le pantalon. Parce que le pantalon... Parce qu'on a de la place, en fait, pour un pantalon. Donc, 1, 2 et 3. Et il nous en faut... 3, normalement. Ok, donc, il y a ça qu'on peut faire, ça c'est bien. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est très bien, même. Mais je veux me balader un peu. Voilà. Je veux pas faire le... Quoi que... Ah, je sais pas. Ah, non. On fait quoi? Non, j'ai envie de me balader un peu, aujourd'hui. Ouais, j'avais dit que... Ah oui, il y a le manteau de en loup aussi qu'on va pouvoir faire, je pense. Ça m'embête. Non, on va... Non, balader. Balade, balade, balade. J'ai envie d'aller voir s'il y a des... Attends, mais je suis pas sur une montagne, là. Qu'est-ce que t'as? Non, ça serait cool. Ça serait cool de se balader dans un temps pareil. Parce que même si je connais la map, tu tournes une seconde de trop et c'est fini, quoi. Tu perds ton... Tu perds ton chemin. Bon, ben non. Bon, désolé, mais on va crafter, du coup. Voilà. On va crafter toute la journée. On va crafter toute la journée, et après on dormira, et le lendemain on ira se balader où j'ai dit. Bah merde alors. C'est, tout ça, c'est parce qu'on a un temps de merde, hein. C'est tout. J'ai vraiment fait ça. Ah, il faut des boyaux, non? Je suis surpris, on n'avait pas commencé à crafter ça? Non, non, on n'a pas fait. Alors, j'étais quasiment sûr qu'on avait commencé. Ok. Ou alors, non, les chaussures, on avait dit non parce que les chaussures, on a... Alors, avec le kit de couture, ça ira plus vite. Les chaussures, on a des bonnes chaussures. Voilà, on a des bonnes chaussures. Donc, ça sert à rien. J'aurais dû regarder mon nom. Bah, très bien. Aussi, ce que je veux faire, c'est prendre une dose. Parce que sinon, je vais oublier et on va être dans la merde. Donc, Reishi. C'est, je dis pas de conneries. Reishi, yes. Voilà, très bien. Voilà, maintenant ça devrait nous dire voilà, 9 sur 10. Faut qu'on boive. Oula, faut qu'on boive. Voilà, très très bien. Je pense qu'on va avoir assez. Alors aussi, j'en avais sûrement parlé, parce que vu qu'on a fait le chapeau en lapin et tout ça, là, en Bugs Bunny, le fait d'utiliser...
Ah, elle est pas vraiment fatiguée, ça qui est un peu embêtant. Le fait d'utiliser le kit de couture, ça va plus vite. Est-ce que ça passe? Ça va, ça va. C'est passé? Bizarre. On peut fabriquer dans le noir? Je suis surpris là. On peut... Ok, il y a une aurore boréale. Non, c'est pour ça en fait. Parce qu'on peut pas, en théorie, on peut pas fabriquer. Il y a une aurore boréale plus... Plus une tempête. Voilà. Ah, très bien. Attendez. On va faire ça. On va faire comme ça, c'est plus joli. Ah non! Ça fait très très clown en fait, ces chaussures de beige là. Ça fait presque jaune, ça fait clown. Ça fait super clown. voilà, ça c'est bien. Là on a des bons vêtements. Je regarde si ouais, dans le jean on va le 60%. Très bien. Le prochain vêtement qu'on va faire, je dirais le manteau en peau de loup. Non, ça c'est l'ours. Loup, 4, 4, on a. Ah non, 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 il faut un couteau de chasse. Non, non, j'ai rien dit, on le fera pas alors. On le fera pas. Bah, rien. Bah rien, parce qu'on a plus de peau de cerf. Moi, non, rien. Non, on va dormir. Alors, ce qu'on pourrait faire quand même, c'est peut-être aller se crafter un couteau et tout ça. Alors, je sais qu'on est malade. Je sais qu'on est malade. J'ai pris de la viande sur moi. Non, j'ai pas pris de la viande. Mais... Je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup de tenter de risquer ça, le fait de d'être malade et... C'est joli quand c'est... Oh, très beau. Parce que c'est vrai que le fait de pas d'avoir de hache et de couteau, ça nous handicape. Ça nous handicape. Bon. J'aurais bien voulu... J'aurais bien voulu aller en récupérer, enfin en fabriquer plutôt. Pour aller en fabriquer, il faudrait aller... Il faudrait aller là. Il faudrait aller là. Parce que nous on est au lac Mystère et nous il faut qu'on aille, donc ça c'est le chemin de fer. Il faut qu'on aille à Muskeg Morne. Par là, il y a une forge. Et il nous faut du tissu et des bouts de bois. Bon, allez, on va dormir, parce que c'est bien joli tout ça, mais... Mais voilà, on peut le faire, hein, on peut le faire. On a du métal. C'est pas énorme, 13. Je sais qu'on en avait laissé au barrage, mais... Je sais qu'on a du charbon, on a beaucoup de bois. Et honnêtement, on pourrait aller le faire, hein. Réfléchir. Pourquoi on ne le ferait pas après? Pourquoi on le ferait pas après, tiens? Ça, on l'avait déjà vu. On a du charbon là. De toute façon, on va trouver du charbon là-bas, de toute façon. Donc ça, c'est pas grave.
On a pas mal de bois. C'est pas extrêmement loin. On a beaucoup de viande. Bah, ce qu'il faut faire, du coup, c'est, vu qu'on va rester sûrement quelques jours, 2-3 jours, il faut prendre des réserves pour... comment dire, des réserves de médicaments. Voilà, c'est tout ce qu'on doit faire. Oh, j'ai pas assez de calco. C'est les réserves de médicaments qui nous manquent. Donc, à la limite. Et ce qui est pas mal, c'est que... En fait, là-bas, on va sûrement combattre des loups, parce qu'il y a plein de loups. Donc, on va sûrement devoir se battre avec des loups. On va pouvoir les dépecer, prendre leur viande et la manger directement. Là, on va pas avoir de problème, parce qu'on est déjà infecté. Donc, à la limite, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin de prendre de la nourriture d'ici, qui est bonne, pour la manger là-bas. Là, on pourra vraiment directement se servir, en fait, avec, avec les loups aux alentours. Donc, dans un sens... peut-être une idée. C'est peut-être une idée. Moi, je dis, ça se tente.